congodialogue.com. Bonjour, très chers compatriotes congolais, Mbote Nabino Nyoso. L'ennemi ne dort pas. Bisogno Soto, tu comprends ce qui vient de se passer ces dernières 24 heures. Toi, tu comprends que Monguna a joué à la tête, les Tutsis et ses complices locaux congolais, Bazako à la tête. Ils viennent de sortir de leur boîte deux cartes gagnantes d'après eux. Enfin, ils ont toujours gagné depuis ces 22 ans d'occupation. Chaque fois qu'ils sortent une carte. Bon, tu commences d'une manière concomitante. Au même moment, nous avons suivi sur le média français le criminel Moïse Soriano, alias Katumbi. Et les deux ont tenu des propos très pacifistes, réconciliateurs, convergeant vers la démocratie. Ils parlent tous de la paix. Sûrement, ils se sont concertés parce qu'appartenant à une même école de manipulation du peuple congolais. Et j'espère que tokozanga mémoire te peut tokozanga misoté potomona. Nous ne devons pas souffrir de la cécité politique, de la cécité historique. Mémoire nabiso, il faut être toujours alerte. Évitons l'amnésie et l'aveuglement. Bientôt, certains Bakongo qui sont fanatiques et naïfs, Bakobima, et ils vont applaudir Ney Mwanansimba, qu'on nous avait dit qu'il a disparu à Kimaka, il y a eu évasion d'après la prison à Makala. Et voilà, après ces quelques mois ou quelques années, il réapparaît sur la scène politique. Vous pouvez voir son visage être un peu chagriné. Seulement, il a subi de lavage de cerveau quelque part. Certains internautes ont parlé de l'Angola où il était, interné chez le président, le nouveau président angolais. Et il n'y a pas de différence entre ce messier Kagame et Hippolyte Kajambere Kanambe parce qu'ils se fréquentent plus. Le nouveau soi-disant président, Félix Tshisekedi. Vous l'avez vu, Ney Mwanansimba, ou Ney Mwanansemi, son nom, excuse-moi, accompagné de notre troubadour politique, Olengankoy. C'est un exemple de complicité. Pas une autre personne, mais Olengankoy. Certains l'appellent même le garçon terrible de la politique, le garçon terrible de la politique congolaise. Terrible. Ça fait l'horreur. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous avons vu réapparaître dans les médias français, Soriano, alias Moïse Katumbi. Et vous l'avez suivi dans un langage truculent et arrogant, disant « Je vais rentrer chez moi le 20 mai et je vais faire le safari. » Bon, le mot safari est swahili, qui signifie voyage, mais dans les domaines touristiques, ça signifie que il va faire promenade dans un parc animalier. Dans le Congo, Bourré a toujours été un parc animalier. Les Congolais sont des animaux. Il va aller en safari
s'adresser à ces animaux qu'il a toujours gardés dans les parcs. Il a insisté, je vais faire le safari. Donc il n'y aura pas d'opposition. Il va peut-être se transformer en un braconnier. Si un animal ose prospecter, Akoubet a massacre. Qui trompe qui? Nous savons que Soriano Moïse Katumbi a toujours été au Congo. Il part, il revient, il repart, il revient. Il ne doit pas nous dire que Azalaki est en exil pendant 3 ans. C'est faux parce qu'il arrive toujours au Katanga. Nous sommes mieux informés sur ça. Alors, les Congolais ne souffrent pas de l'amnésie. Alingia Yakosala, Safari et Panabiso. Et certains naïfs parmi nous vont se mettre et à quoi applaudir et babette les Maboko. Parce qu'il incarnerait l'espoir tant recherché. Bossi Bobo Sani, le pillage qu'il perpète chez nous, Bossi Bobo Sani, sa complicité avec Hippolyte Kanembe pour tuer l'ancien directeur de cabinet d'Hippolyte Kanembe Kanembe, l'ancien gouverneur de Katanga. Bossi Bobo Sani, tous ces minéraux qu'il a vendus et qu'il continue à vendre, Bossi Bobo Sani, combien de trucks, combien de véhicules à long courrier remplis de minéraux non triés atteignent en Afrique du Sud? Bossi Bobo Sani, son égoïsme en écrasant le petit entrepreneur du Katanga, quelqu'un qui vend ses comprimés à côté, lui vient ouvrir une grande pharmacie. Quelqu'un qui vend ses mikate à côté, il vient ouvrir un grand restaurant. Quelqu'un qui vend ses makala à côté, ben il envoie des camions dans la forêt pour acheter plus de makala. Quelqu'un qui vend ce gobelet de riz, lui vient ouvrir un supermarché de riz afin qu'on ne puisse pas acheter. Bon, les exemples sont les gens. Vous n'allez pas oublier tous ces crimes qui sont commis parce que Attila Bino, l'équipe Tout-Puissant Mazembe, qu'il a rencontré, ce n'est pas lui qui a créé le Tout-Puissant Mazembe. Il va mourir et il laissera le Tout-Puissant Mazembe. Il n'est que propriétaire en ce moment. C'est rare qu'un business survive l'homme noir. Chez le blanc, on a vu que ça survit. Les hommes blancs, quand ils meurent, la famille continue, ou même les hommes d'affaires, et qui est avec lui, avec la protection de l'État. Chez nous, très souvent, ça disparaît. On a vu ça plusieurs fois. Il n'est pas le premier noir. Vous avez oublié qu'il n'est pas congolais? Vous allez oublier que lui et son frère, plus particulièrement, a été parmi les investisseurs qui ont financé le RCD Goma. Vous avez oublié ça? Vous avez oublié que il fait ses randonnées à tout moment à Kigali où il rencontre l'assassin, voleur et jaloux et envié Paul Kagame. Vous avez oublié qu'il avait été invité par l'ONG du bandit Mo Ibrahim, qu'il avait présenté comme étant un candidat d'espoir chez nous. On lui a donné même une plateforme à s'exprimer, en répondant aux questions qui peut-être étaient déjà préparées pour lui.
N'oubliez rien, très chers compatriotes congolais. N'oubliez absolument rien. Soyez alertes. Et comprenez que l'ennemi est presque aux abois. En sortant de sa boîte de Pandore, c'est des cartes qu'il croit gagnantes chez nous. L'ennemi est aux abois. Maintenant, nous tous, nous devons adopter le complexe belliqueux, guerroyeur de Maïmaï. Parce qu'il n'y a que les gens de Kivu, depuis que le Congo est Congo, qui comprennent l'enjeu et les enjeux. Les Kivuciens se sont toujours comportés en guerriers. Ils constituent toujours le rempart pour défendre la République. Pendant que les autres passent leur temps dans des groupes de prière, en train d'implorer les dieux d'Israël qui ne viennent jamais en aide. Le Maïmaï, le peuple du Kivu, a toujours défendu la République. Tous les Congolais doivent s'imprégner du complexe Maïmaï, celui de ne pas être naïf et d'avoir toujours présent à l'esprit la défense de notre territoire, de nos biens et de notre peuple, malgré l'attaque combinée et multidimensionnelle qu'on nous lance à tout moment par les pays voisins et les commanditaires extérieurs. Tous les Congolais doivent s'imprégner de ce complexe. Nous devons, nous tous, nous dresser debout. À être des guerriers. C'est l'unique langage que l'ennemi comprend et comprendra. Et ce que les ennemis ont toujours compris depuis que le monde est monde. On n'a jamais résolu des problèmes de guerre, d'attaque, d'occupation, d'invasion par des dialogues. C'est toujours par la guerre. À la guerre, on répond avec une autre guerre. Et c'est ce que le Maïmaï, c'est ce que les habitants de la province du Kivu ont toujours fait. Et nous demandons que les autres provinces, les autres habitants d'autres provinces, nous emboîtent les pas. Cessez d'être des marchepieds. Cessez de croire que Moine Nsemi viendra libérer le Congo. Qu'il ait un titre universitaire, ça ne vaut rien, ça. Il manque la constance en suivant ce langage aujourd'hui qui a totalement changé. Il veut être Premier ministre ou on veut lui proposer le poste de Premier ministre. C'est pas ce qui compte pour nous. Nous devons attaquer tout le monde, chasser tout le monde. Nous demandons aux populations du Kivu, la population la plus meurtrie, aux populations du Zaïre et d'autres provinces, de s'attaquer à Moïse Katumbi si jamais il osait fouler le sol de nos provinces. Ce n'est pas chez lui. S'il blague avec les Katanga et les Katangais, il ne doit pas blaguer avec les Kivusiens. Kamanakuyakulokwetu, Mumushamburia, Mumupikimasasi, soit un complice au mal. C'est un mauvais garçon. C'est un hypocrite. Je pense que vous tous, vous n'avez jamais oublié ses propos quand il a dit à M. Hippolyte Kajamber Kanembe, je ne te trahirai jamais. Il a dit ça. Vous avez oublié? Et qu'aujourd'hui passe aux antennes de médias français pour dire. Et il va venir chez nous en safari. Ce n'est pas son pays, hein? Nous devons découvrir, cibler l'ennemi. L'amnésie, c'est notre premier ennemi. Oui, nous sommes les premiers à marcher. Nous sommes la première marée humaine qui donne un semblant de leadership à la plupart de nos leaders.
qui se font passer pour des leaders, alors que ce sont des complices. La plateforme électorale, la Mouka, est minée. Oui, Martin Fayulu est populaire. On ne nie pas ça. On le reconnaît. Il est extrêmement populaire. Plus que Tshisekedi, plus, enfin, feu Tshisekedi, plus que Lumumba, peut-être. Pour le moment. Plus que le président Mobutu. Et ça, ce n'est rien. C'est parce que le peuple traverse une période vide, où il y a une carence de leadership. Alors, on cherche un oiseau rare. On s'entend un messie qui doit venir sauver les Congolais. Martin Fayulu serait le véritable choix s'il n'était pas entouré par une bande de criminels. Et l'un d'eux, le plus suprême, c'est Soriano Nassim, alias Moïse Katumbi. Moïse, nous sommes à l'affût, hein? Nous t'attendons. Et nous n'allons jamais lâcher. Le troisième penalty dont tu avais parlé, peut-être c'est toi. C'est sa tournée, le troisième penalty que tu ne voulais pas, peut-être que ton Hippolyte Katiambere puisse tirer. Et toi, tu voudrais le tirer. Nous allons t'empêcher de tirer ce troisième penalty. Ne viens pas chez nous au Kivu. Tu as tant tué les Congolais et tu te moques des Congolais. Tu es le coordonnateur de la Mouka et tu voudrais que les gens croient au la Mouka. Nous pouvons peut-être croire à Martin Fayulu. Mais il est entouré de criminels comme toi, comme Jean-Pierre Bemba, comme Mozitu. Vous êtes des criminels. Et ça fait tache sur cette plateforme. Je conseillerais à Martin Fayulu d'y aller mollo, hein, et d'y aller solo, seul. Peut-être il n'a pas d'argent, raison pour laquelle il s'appuie sur le béquille criminel que vous êtes, toi, Maurice Katumbi, et Mozitu, et les autres, peut-être. Mais je lui conseillerais d'aller seul et de se détacher de ses entraves, de couper les tentacules qui le soutiennent. Vous êtes des criminels. La Mouka, avec toi comme coordonnateur, je ne vois pas d'avenir pour le Congo. Et je demande au peuple congolais d'extirper, d'exfiltrer Martin Fayulu pour qu'il n'ait qu'un seul appui, le peuple congolais. Il n'a pas besoin de Moïse Katumbi, il n'a pas besoin de Mozitu, il n'a pas besoin de Jean-Pierre Bemba. Il a besoin du peuple. Et vous devez savoir que la Mouka n'est pas différente de ce FCC, le Front Congolais des cons. Il n'est pas différent de la Mouka là, de l'UDPS et d'autres groupuscules animés par une bande de mafiosos qui se font passer pour des leaders. L'unique complexe que nous devons avoir, c'est Zali Yakobunda Bitumba. C'est chaque fois que nous donnons rendez-vous aux ennemis, rendez-vous de soulèvement populaire, et ça ne passe pas. L'année passée, on avait parlé du 23 décembre. Tout le monde a qu'à l'heure à mon côté. Lundi passé de cette semaine, et l'heure à mon côté, qui pétait. Et là, nous donnerons raison à notre compatriote Boketo Ayambo qui a toujours dit et qui s'est toujours exclamé, peuple Yandengini. Nous ne savons que marcher, hein? Mais pas copier les bel exemple de bravoure d'autres peuples. Tout ça a mis sauter, tout ça a matoyé, de voir, écouter, entendre ce qui se passe ailleurs. Ça va faire 6 mois que les maillons jaunes sont dans la rue en France, partout à travers la France.
Ça va faire plus d'un mois que les Soudanais sont dans la rue alors que leur mouvement venait de commencer. Ça va faire plus de 3 mois que les Algériens sont dans la rue. Les Burkinabés ont fait quelques mois et ils ont déboulonné une dictature. Et j'entends ces Congolais qui disent, non, s'il faut qu'il y ait soulèvement, il faut que le pasteur aille donner des encouragements aux combattants. J'ai suivi le compatriote Kwabe Kimpele, un homme que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, un exemple du journalisme engagé qui a osé commettre cette erreur en disant que le pasteur aille faire des prières là-bas, Sika, Oyo. Ba combattant ba Rukende, Kosala ba sitting. Mon compatriote Kobe Kimpele, c'est une erreur que de se référer au pasteur. Tu connais combien le pasteur ont détruit la mémoire, le cerveau et la façon de raisonner de l'homme congolais. Les pasteurs ont été les complices de l'échec de l'occupation, de l'invasion et du meurtre du peuple congolais depuis des années. Les religieux ont été les complices au mal. C'est indéniable. Alors il ne faut plus continuer à se référer à ces poisons-là. Nous voulons que les Congolais, que les religieux peuvent contribuer à notre libération. Cessez de nous prêcher ce chapitre empoisonné. Nous n'en avons pas besoin. Prêchez aux Congolais le chapitre patriotique, le chapitre qui font voir aux Congolais qui est ennemi, qui est l'ennemi, qui sont les ennemis et qu'est-ce qu'il faut faire. Pas de prière. Nous en avons marre. Voilà ce que j'avais à vous dire bon, ce matin. J'espère que ça va vous imprégner. Que le salut est dans la lutte armée. Il n'est pas dans Moïse Nsoumba. Il n'est pas dans Moïse Katumbi. Il n'est pas dans les Lamouka collectifs. Martin Fayoulou peut incarner la libération, la lutte. Devant et derrière lui, nous devons poser des questions, des exclamations, et faire route ensemble avec lui. Si son idéal n'est pas entaché par les idées des criminels tels que Soriano. Vive le Congo. Que vive le Congo de Lumumba, de Kasavubu. Que vive le Congo de tous les martyrs du Congo. Tenons fort. Ba congolais nyonso tu ba ngba iba il faut batala la site nini. Ah, soko uzali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Eh, tembete. Ozasi. Soko uzali congolais ya solo o koki ko zanga mokolo mokote et sengeli otala bobele Congo dialogue. Oye ba makambo mazali ko leka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za congolais ya solo. Yango Papa wana. Kunze talobi yango. Foko tala ka. Congo dialogue. Tina ya ngai pena yeba ka makambo ma kolega kuna na bosa na te. Otala ka peka ka Congo dialogue. Tembete. Ya, soki ata na zali congolais so ata ba mendele ki va ko kiko tala. Congo dialogue.com.